Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour le score humain dans God of War, God of War, World of Gun, le corps humain en mode hardcore. Alors, le mode hardcore, c'est encore un autre système de qu'on appelle de jeu, parce que cette fois-ci, je peux faire plusieurs choses en même temps. Bon, il faut quand même que j'arrive à ne pas me tromper pour avoir le mode sniper. Le mode sniper qui peut me permettre d'avoir le dernier des succès. Comme vous voyez, le mode hardcore est plus facile, plus rapide, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur. D'une erreur qui pourrait être fatale. Voilà, j'ai été trop rapide et j'ai perdu. Donc, voilà, ça me fait chier, mais on va recommencer. On va recommencer. Tac, 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 tac. Tac, tac, les clavicules. Hop, hop, ça je peux faire. Ça aussi on peut faire. Donc on y est. Ah, il faut avoir minimum 3 pièces qu'on appelle... Avoir activé 3 pièces en même temps, je suis à 5 pièces en même temps, à 6 pièces en même temps. J'attends la dernière seconde que le truc il se désactive, vous voyez, parce que sinon après, on va avoir la même erreur. Patienter est vraiment le chiant, surtout quand... C'est chronométré, parce que c'est chronométré. Le truc, le tibia, les dents, j'ai oublié les dents. Voilà. Donc pour l'instant, le mode sniper est activé, on est bon, on est très bon même. Hop, hop. Hop, on va remettre en place la colonne vertébrale. En fait, le corps humain est vraiment plus facile que les armes à feu. D'abord ça, non, ça vaut mieux pas. Ça par contre je peux déjà mettre. Je apparemment j'ai oublié de mettre une jambe. De refaire une jambe. Tac, tac, tac. Tac. D'abord les clavicules. Ensuite les omoplates. Ça je peux mettre, ça je peux mettre, ça je peux mettre. Et il manque plus que le crâne. Voilà. Voilà, c'était le corps humain. En mode hardcore sniper, et j'ai débloqué pratiquement tout. Il n'y a que ce mot ça que j'ai pas réussi à débloquer. Je vais pas le faire, peut-être en off. Enfin, peut-être que j'essaierai en off. Alors vous voyez, j'ai encore plusieurs trucs, mais il faut me faut 10 crédits pour pouvoir activer ça. Il me faut 10 crédits ici. Enfin, les crédits. C'est très simple. Quand on est au top 10, dans le top 3, on gagne un crédit. 20 crédits, putain, pour le dinosaure. Donc quand on est dans le top 3, on gagne un crédit. Et j'en ai que 5. Voilà. Alors, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Hein, au niveau là, 50 crédits, oui, c'est magnifique. Je pourrais acheter. En fait, il y a moyen, d'acheter des crédits hein, avec de l'argent réel. Voilà. Mais non, non, merci. 1000 points. On peut, en plus, on peut même acheter des points d'expérience. Mais bon, non. Non, merci. Tant pis. Retour, tatac, retour aux armes. Tiens, en moto. Attends, attends. Non! Attends, retourne aux armes.
attends. Chrome Premium. Les motos. Ah non. Je peux pas utiliser cette moto, non. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Puzzle du jour, opération spéciale, opération effectuée tous les tâches, opération spéciale. Abonnez-vous à New Digit, faites jouer les 5 amis sur Steam, joignez le groupe officiel des joueurs. 20 crédits, moi, je pourrais faire ça. Vas-y. Puzzle du jour, ça c'est en fait des armes en fait. Mais il faut les connaître par cœur les armes. Parce qu'il suffit de se rater une fois et c'est fini. Voilà, voilà. Donc, on retourne aux armes. Alors, comme vous voyez ici, j'ai débloqué certaines armes. Voilà. Hop, déjà des hauts niveaux quand même. Enfin, là, le niveau, c'est je vais vous montrer, c'est ça en fait. Il me reste 3 trucs à débloquer. Voilà, ton truc. Vas-y pour faire première place, vas-y pour faire le truc en 2 minutes 27. J'essaye, hein, j'essaye, mais je n'y arrive pas. Ah, là, il me reste vraiment que ça, ici aussi. 1 minute 52. Ça c'est mon arme préférée, mais je vais la faire. J'aime bien vraiment démonter cette arme. Au niveau de. Ça aussi, j'aime bien parce qu'elle est très très simple. Elle est très très simple comme arme. D'ailleurs, on peut voir combien de pièces il y a. Hein. Il y a 35 pièces, c'est considéré comme facile. Celle-ci, il y a 67 pièces. Voilà. Celle-ci, il y a 78 pièces, mais elle est beaucoup plus compliquée. Parce qu'il y a tout. En fait, moi, le problème, c'est que quand il y a vraiment des petites pièces à la con là qui font chier. Qu'il faut s'en souvenir. Voilà, voilà. Donc c'était Gun of World of Gun. World of Gun. J'espère que ça vous a plu. C'était 3 petites vidéos rapides. Je sais pas si j'en ferai d'autres, mais c'était 3 petites vidéos rapides comme ça. Au moins vous découvrez le truc. Il y a une arme suisse ici. Il y a encore d'autres armes, hein, mais c'est juste qu'il faut les débloquer. Voilà, voilà. Allez, à plus tout le monde.